Wow! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyang Sougon. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là sur abonner pour activer la cloche de la barre pour tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, nous vous remercions de ce que aujourd'hui vous nous regardez, vous nous suivez, vous vous abonnez. Mes frères et sœurs, merci. Nous venons d'atteindre ou encore de dépasser les 7000 abonnés. 7000 abonnés! Merci les amis. Que Dieu vous bénisse. C'est la série. Aujourd'hui, nous avons reçu quelque chose d'un ami, un frère. C'est un songe. Et ce frère-là ne parvient pas à comprendre son songe. C'est pourquoi il a décidé de nous livrer son songe afin que nous vous le racontions ici pour que vous tous, vous les 7000 abonnés, vous puissiez réagir et nous dire que signifie son songe. Déjà, qu'est-ce qu'un songe? Un songe, c'est un message divin. C'est Dieu lui-même qui vient la nuit dans le sommeil de l'homme pour lui parler, pour lui raconter des choses importantes sur sa vie ou encore les choses à venir dans sa vie. C'était le cas de Joseph, c'était le cas de plusieurs serviteurs de Dieu. Et c'est normal que cet homme ait un songe parce que notre Dieu, il est vivant et il parle toujours. Qu'en pensez-vous? C'est parfait. Et voici que cet homme va faire un songe. Et ce songe est vraiment dangereux. Alors, je vais vous demander d'être très concentré et préparez-vous à nous donner un discernement qui va vraiment nous aider. Est-ce que vous êtes prêts? Let's go. Bien, qu'est-ce qu'il a vu? Voici ce qu'il a vu. Excusez-moi pour la bouche, ce sont les sorciers qui font ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il a vu? Voici ce qu'il a vu. Il dit dans son songe, il s'est retrouvé où? À l'école. Ouais, à l'université. Et là-bas, il a rencontré une fille. La fille était vraiment trop belle même. Trop belle. Et la fille, bizarrement, s'est attachée à lui. Et elle a décidé de lui rendre visite. Est-ce que vous voyez? Voilà. Lui, il a cru que c'était de la blague parce que comme elle est trop belle, attirante, lui ne peut pas penser que cette fille-là pouvait venir chez lui. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et à sa grande surprise, quelques temps plus tard, il voit la fille venir chez lui avec un jeune homme. Ce jeune homme est un jeune homme de son quartier qui l'accompagnait tout simplement pour lui montrer la maison où il habite, tout ça. Et les deux sont entrés dans la maison. Pendant qu'ils étaient assis là, lui, bizarrement, il est rentré dans sa chambre, dans son tiroir, et il a vu une forte somme d'argent là-bas. Et dans sa pensée, il voulait faire quoi? Donner un peu de cet argent à cette fille. Est-ce que vous voyez? Voilà. Et pendant qu'il s'est tenté de causer, il a tenté de causer avec ses deux invités, l'homme, le jeune homme qui a amené cette fille-là, lui, il s'est fait quoi? Il s'est retiré, il était sorti. Et quand il était sorti là, lui, il était maintenant face à la fille. Et il s'est mis bizarrement, il se voyait bizarrement dans le songe, en train de caresser les fesses de la fille. Mes frères et sœurs, après ça, ça a failli mal se passer. Même se retrouver dans la chambre pour faire autre chose. Et quand il s'est retrouvé dans la chambre avec elle, bizarrement, c'est là même qu'il s'est réveillé. Heureusement que ça n'a pas mal tourné. Il dit qu'en général, quand il a des tels songes et qu'il couche avec une femme comme ça dans le songe, physiquement, il se lève, son pantalon est mouillé. Et il bénit Dieu, mais que ce ne s'est pas passé comme ça. Franchement. Voici ce qu'il nous a dit et voici son songe. Qu'en pensez-vous maintenant? Que signifie son songe? Mes frères et sœurs, c'est à vous de jouer. Réagissez dans la partie commentaire. Et nous allons ensemble
mettre nos arguments, mettre nos éléments ensemble pour pouvoir comprendre le songe. Souvenez-vous que c'est Dieu seul, écoutez, c'est Dieu seul qui peut donner le vrai discernement des songes. Lui seul peut nous dire ce que signifie son songe. Ah, voici l'explication de son songe. Ça veut dire que, voici l'explication de son songe. Nous n'avons pas les éléments importants pour pouvoir comprendre le songe. Et le premier élément important, c'est quoi? La fille. Deuxième, l'argent qui se trouve dans son amant. Troisième, c'est lui-même. Est-ce que vous voyez? Voilà. En fait, la fille là, c'était pas une fille ordinaire. C'était pas une fille ordinaire. Lui, il la voyait comme une fille, mais c'était un démon, c'était un esprit. Ou encore, c'est le diable qui a envoyé son agent, qui est une femme, vers lui à cause de quelque chose. À cause de quelque chose qu'il a sur lui. Cette chose-là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelle est la chose qui peut attirer les femmes ou le regard des gens sur vous? C'est l'argent-là. Ça veut dire que cet homme-là, il a quelque chose de bon en lui. Il a la richesse en lui, ou il y a la richesse qui arrive. Alors le diable, lui, il se prépare à le renverser, à contrer ça. Ou si ça vient, comme il sait que, comme le diable sait que Dieu a décidé de bénir la personne, donc il va faire quoi? Il va amener quelqu'un à côté de cette personne, de sorte que cette personne soit comme une fuite pour pouvoir gaspiller son argent inutilement. Et cette femme-là, c'est qui? C'est cette femme-là, c'est ce démon-là. Et cet homme-là même, là, il doit aussi faire très attention. Il doit éviter même la compagnie des filles. C'est-à-dire, tu vois une fille, elle te plaît, et puis tu veux l'inviter chez toi, évite ça. Sinon, ça peut mal se passer. Ça peut mal se passer. Ce que tu as vu en songe, là, ça peut devenir réel. Et si ça devient réel, là, c'est dangereux. Parce que si tu as couché avec elle, hey, les complications que tu vas avoir dans ta vie, là, toi-même, là, tu vas nous en parler encore. Mes frères et sœurs, faites attention. Même si c'est dans un songe. Faudrait même pas qu'on dise même si c'est dans un songe. Dans le songe, la personne que tu vois, toi qui te vois en train de marcher là, c'est ton âme. Ah, voyez-vous, est-ce que vous voyez l'importance de votre âme? Donc c'est ça. Tu te voyais dans l'avenir, ce qui va se passer, c'est ça que tu as vu, c'est ça que Dieu t'a fait voir. Et c'est un problème. Il y a une bénédiction qui arrive pour toi. Mais fais attention, le diable est là. Lui ici, il est là pour essayer de renverser ça, il ne va pas baisser les bras. Tant que tu seras vivant, tant que Dieu sera là auprès de toi, il faut te mettre à l'esprit que le diable également sera là. Alors sois vigilant. Tu travailles dur pour avoir de l'argent. Et à un moment donné, l'argent, ça vient beaucoup comme ça. Quand le diable va voir ça, il ne sera pas content. Il va tout faire pour renverser ça. Il va commencer par créer des choses bizarres autour de toi. Les femmes, là, beaucoup, là, il faut les éviter. Il faut les éviter de chez monsieur, éviter. Nuance Ruban te parle. Ce n'est pas nous qui te parlons, c'est Dieu lui-même qui est en train de te parler pour sauver ta vie. Quand on travaille dur, là, c'est pour vivre heureux. Mais quand le diable est dans notre histoire, il faut faire très attention, il faut marcher avec prudence. Dieu t'a prévenu en songe comme ça pour te dire attention aux femmes. Attention aux femmes qui attirent les yeux, qui sont séduisantes, qui sont sexy. Ce que tu aimes, là, ça peut susciter ta chute. Écoute Dieu et avance. Voici ce que signifie son songe. Si vous êtes d'accord avec nous, laissez un like en dessous de cette vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Activez la cloche et préparez-vous pour la prochaine vidéo sur Nuance Ruban. Il y aura des conseils comme ça, des témoignages, de tels songes. Nous en recevrons toujours. Alors soyez prêts. Si vous-même vous avez un songe, racontez-nous vos songes et nous essaierons de comprendre tout simplement le message que Dieu vous a donné. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Ah! Les choses qui vont venir vont sans doute vous étonner. Merci beaucoup.
Let's go. Let's go!